Donc, je vous invite tous le 19 juin de 8h à 18h du côté des Jardins d'Amalia pour la deuxième édition de la foire. Venez soutenir nos jeunes entrepreneurs locaux qui font un travail de qualité. Aujourd'hui, je suis journaliste, donc je suis avec mon invité. Mon invité qui est Madame Azialo, qui va se présenter. Bonsoir, Madame Azialo. Bonsoir, Monsieur Adjessi. Je me nomme Azialo Anna Oremi. Allez, passez-moi. Alors, Madame Azialo, d'abord, je suis étudiante. Je suis propriétaire d'une marque de vêtements qui se nomme Azag. Ok. Alors, Azag, c'est une marque qui a été créée en Côte d'Ivoire. Oui. Azag, c'est une marque qui a été créée en Côte d'Ivoire. Mais quel public est-ce que vous visez? C'est qui la cible en fait de Azag? Nous visons exceptionnellement les cadres, vu que nous confectionnons des chemises, des tuniques. En même temps, laissez-moi vous dire que Azag a deux départements. Il y a le premier département est dédié aux jeunes cadres dynamiques, aux cadres, aux entrepreneurs, aux personnes qui aiment porter des chemises. Le second département est dédié aux artistes. Là, nous créons du sur-mesure, des vêtements particuliers pour eux. Il y a un an en arrière, c'est-à-dire en 2020, vous avez organisé un événement qui réunissait plusieurs personnes. De quoi s'agissait-il? Expliquez-moi. Effectivement, il y a de cela un an, j'organise un événement qui se nomme la foire. La vision de la foire, c'est de réunir plusieurs entrepreneurs dans un même lieu, histoire de partager certaines expériences et de vendre. L'objectif premier, c'est la promotion des PME. Vous attendez qui comme personnalité, comme personne? En organisant la foire, on attend tout le monde. C'est un appel à l'achat. En fait, le slogan de la foire, c'est consommons local. Donc tout le monde est appelé à consommer les produits qui viennent de chez nous pour pouvoir développer certains secteurs d'activité et tout. Donc jeunes, vieux, enfants, bébés. Du moment où tu peux acheter quelque chose, tu es appelé à venir à la foire. D'accord. Cette année encore, on retourne à la foire. Oui. Ok. Ah, donc cette année, je suppose qu'il y aura d'autres surprises. Évidemment, évidemment. C'est quand et où? La foire se tiendra le 19 juin au Jardin d'Amalia. Le Jardin d'Amalia est situé derrière Lola Café. Le restaurant Lola Café. Lola Café. Oh oui, en allant au mall, sur la nouvelle voie où il y a des Lola. C'est ça. L'édition précédente, on s'était donné comme objectif d'avoir 15 stands. On a eu 17. Et on a eu plus de 500 visiteurs. Cette année, on vise 30 stands au moins et on veut 1500 visiteurs parce que l'entrée est libre, tout le monde peut venir, ça va, ça vient. Ce 19, qui est bien sûr la veille de la fête des pères, c'est le moment de venir acheter des trucs pour vos papas, vos papis, vos tontons, vos tontons et tout. Venez faire plaisir à votre famille. Venez le 19 à la foire de 8h à 18h, espace Amalia. Nous sommes donc joignables au 07 77 79 98 95. L'Instagram est la foire 225. La page Facebook, la foire tout court. Merci et on se prend ce 19 juin.